Delphine Bézot, gérante de la vieille auberge du lac à Saint-Agnan dans la Nièvre, et j'ai choisi de vous préparer une brioche maison. On a un hôtel, donc on aime bien faire la brioche pour nos clients le matin. On a vu donc qu'elle allait vraiment très très bien lever, et ça c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Ensuite, donc après avoir nettoyé donc ma table, hein, donc je suis à la maison, hein, on fait avec les moyens du bord. Je vais mettre un petit peu de farine sur ma table. On va verser la pâte si elle veut bien. Voilà. Alors on va la dégazer, c'est-à-dire retirer l'air, hop, avec le poing comme ça. Voilà, je vais la rouler. On va la rouler. Et puis on va faire des petits boudins comme ça. Alors là, c'est un petit moule que j'ai préparé. Donc j'ai beurré et mis un peu de farine. Voilà. Et voilà, je vais mettre un petit torchon dessus et je vais la laisser poser encore une heure pour qu'elle gonfle. Elle devra en fait monter jusqu'en haut du plat. Regardez comme ma brioche a bien levé. Elle est magnifique. J'ai passé un petit jaune d'œuf avec du lait dessus pour qu'elle soit brillante. Et je vais maintenant la mettre dans le four. Et voici la brioche à la sortie du four. Bon appétit !